Avant de commencer la vidéo, faut que je vous montre un Battle Royale qui va sortir bientôt là, ça va être de la pure folie. En gros c'est simple, il s'appelle Valhall et ça va être simplement un Battle Royale pendant l'époque médiévale, donc c'est-à-dire les chevaliers. Donc c'est vraiment un truc de fou, donc n'hésitez vraiment pas à aller le prendre, il sortira bientôt. Et puis de toute façon... Oh là là, il a l'air vraiment super cool. Un Battle Royale médiéval, la famille, regardez-moi ça. Première personne, troisième personne, franchement ça va être... Des combats d'épée. De tir à l'arc. Le lien est dans la description si vous voulez aller le précommander, la famille. Oh là 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 là. T'as vu les graphismes, comment ils pètent leur mère. C'est un délire. Pendant ce mois du ramadan, mon frère, il y a moyen de bien s'occuper. Hein. Donc là, c'est la troisième personne. Non, c'est la première là. Genre, ok, regardez comment ça fight. Regardez comment ça fight. Ça fight comme ça, avec des épées en mode Moyen-Âge. Ça, c'est un trailer, c'est un petit trailer. Mm. Oh, regarde, en première personne, ça fait quoi? C'est un truc de ouf. Elle est stylée de ouf. Il y a moyen de grave. On se le prend ou quoi? En tout cas, les personnages sont vraiment très 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 bien faits, la famille. Là, il ouvre un coffre. Il trouve une épée. Oh, épée enflammée. Waouh. T'as vu, en plus, il y a différents décors. Non, franchement, c'est stylé de ouf. Théma combat et tout. Et à la fin, comme vous le savez, en Battle Royale, il faut arriver numéro 1 pour gagner. Faut faire top 1. Faire top 1 créé. Oh là là, regardez les effets spéciaux. Oh, il y a moyen de vraiment s'amuser, la famille. Bon, on va passer à la vidéo. Vlog Ramadan numéro 22 ou 23, je sais pas exactement. C'est parti. Mais qu'est-ce que tu fais, jeune enfant? Ça y est, t'as craqué? C'est fini le régime? Non, c'est juste que demain, en fait, j'ai un match contre une DH. Et du coup, on va faire que courir. Donc, je peux me permettre de prendre une part quand même. Parce que demain, je vais être expulsé. Tu vas être expulsé pourquoi? Hein? Je crois que tu vas être expulsé. Non, je vais tout expulser calorique. Je vais prendre là, tu vois. En tout cas, c'est ton anniversaire, je t'offre ça. C'est pas mon anniversaire. Ah. Moi, c'est 5 jours. Joyeux anniversaire. Laisse-le couper le gâteau, maman. Joyeux anniversaire. Il filme, ouais. Anniversaire. Yacine. Je vais couper, maman. Prochain fois, on va au mois d'octobre. Vas-y, Yacine, tape-nous un croc. En mars. Quelle part vais-je prendre? Bien grosse, une bien grosse. Parce que... C'est parti. Allez, mange le régime. Mange le régime. On est en train de le tuer, le régime. Tape-nous un croc, arrête de faire le mec qui mange des fraises là, ça sert à rien de manger des fraises. Allez, pour le régime. Je fais quoi? Super bon. Et là, le gâteau, il est là. Super bon. Tu préfères les fraisiers ou les gâteaux au chocolat? C'est parti, c'est bientôt l'heure de manger. Aujourd'hui, on a des nouveaux trucs. Je vous présente ça tout de suite. Après, Yacine va nous faire son assiette juste après. Bah, ça, on a déjà le dessert. Juste là, là. On a ici, ça c'est classique, des pommes de terre. On a les dattes, de la viande. Ici, c'est quoi? C'est de la viande avec des champignons. Une petite salade, des haricots. Là, on a la soupe. Et c'est ça le nouveau truc en fait. C'est des mini pizzas. On en avait mangé juste tout au début du ramadan. Et là on en a refait, ça doit être vraiment super bon. Et là on a ça, hier on l'a pas fini donc on va le terminer. Ah oui, il y a ça aussi. Ça Yacine, je crois, vas-y je te laisse faire ton assiette. Yacine qui est KO, ça commence à devenir super dur. Ah, c'est... Ça va? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, il s'est défoncé le pied, parce qu'il s'est défoncé le pied. Donc je pense que moi ce que je vais me prendre, ça va être les pizzas, la viande. Et vas-y, Yacine, fais ton assiette. Let's go. Vas-y, go. Dites-nous ce que vous aimez le plus manger, vous, pendant ce ramadan là. En tout cas, on vous souhaite à tous bon courage. Il reste quelques jours. Ah, tu prends du riz, ça va, ça change. Il reste quelques jours. Juste une dernière question, sinon au dessert, tu vas te prendre quoi? Des fruits. Ça là, il y a des super bons fruits. Hein. Ouais, t'arrives même plus à tenir debout. J'avoue, c'est dur en cette fin de ramadan. Mais bon, je pense que tout le monde, c'est un peu dur pour tout le monde. Tu vas te prendre quoi? Ah ouais, barquette de fruits. Le lendemain, on continue avec le 21e ou 22e jour de ramadan. Yacine, il a un petit colis. Vas-y, fais-nous montrer. Donc à chaque fois... Tu sais quoi, c'est quoi? Ce matin, j'étais en train de dormir. Enfin, ce matin, il était midi.
Je reçois grave des appels, je réponds pas. En fait, c'était le livreur. Là, il faisait que d'appeler, Ah, parce que comme j'ai commandé, j'ai mis ton nom, désolé. Ah ouais, c'est pour ça, il m'a réveillé. J'ai mis ton numéro et ton nom, parce que pour pas que je me réveille. Ah ouais, je me suis vénère, j'ai dit, c'est qui ça? Après, il y avait papa, il a pris le colis. Heureusement. Donc, je vous laisse deviner dans les commentaires, votre avis, ce que c'est. Un rapport avec les le indices. Moi, aussi. C'est un rapport avec le football, donc je vous donne que cet indice là et je vous laisse deviner ce que c'est. Pour l'instant je l'ouvre, mais en tout cas sachez que c'est une chose que j'avais besoin depuis très longtemps. C'est pas un partenariat. Non, c'est un truc que j'ai commandé, ça coûte cher pour ce que c'est je trouve. Donc, c'est tout simplement ça. Tout simplement des prothèses tibia. À chaque fois je grattais les prothèses tibia de Nassim ou d'un pote à moi qui s'appelle Sofiane. À chaque fois je leur grattais parce que depuis que j'ai déménagé, je sais pas où j'ai mis les miennes, je les trouvais pas du tout. Donc ce que j'ai pris c'est ça, des prothèses tibia sur Nike. Tu sais, devine, j'ai acheté combien? Le mec il prend des prothèses tibia pour la fin de saison. Tu sais, j'ai acheté combien? Mais c'est même pour l'année prochaine. Ouais. J'ai acheté 30 euros. Ah, normalement c'est 20 euros. C'est quoi? Mais il y a des trucs de livraison là. Donc j'ai pris ça et ce que j'aime bien avec ces prothèses tibia là, c'est qu'elles sont, tu vois, elles sont cheat. Et genre ça va pas trop te gêner, c'est quand elles sont trop grosses, j'aime pas parce que ça te gêne trop et tu peux pas bien jouer. Avec la chaussette. Et, ouais, et par contre les chaussettes sont un peu cheat, hein, je suis dégoûté. Elles sont un peu genre grave serrées, tu vois là. En fait vaut mieux aller au magasin et essayer, c'est mieux.